Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Blanc 2. Alors pourquoi je vous montre cette belle image au début? Eh ben, c'est une abonnée qui m'a envoyé ça, Erza51Love, m'a envoyé, m'a fait ce petit dessin. Donc si vous aussi vous avez des dessins à me faire parvenir, bah, n'hésitez pas à m'en envoyer via MP sur YouTube ou via mon adresse mail qui est sur ma chaîne. Donc voilà un très beau dessin de mon Pokémon préféré, Mew. Donc un grand merci à elle. Eh bien, si on est aujourd'hui sur cette version, c'est parce que j'ai enfin reçu mon matériel. Alors, cette vidéo est, on va dire, une vidéo essai. C'est-à-dire que la qualité sera en 360 pixels. Enfin, 360. Sur YouTube, en tout cas. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de la haute qualité, mais ça viendra par la suite. J'essaye de voir un peu les meilleurs réglages. Mais là, il fallait absolument que je vous tourne une vidéo. Alors, on a un objet ici qui est assez important, en fait. Que je n'avais pas vu. Sûrement que vous m'avez dit dans les commentaires. C'est l'objet trouvé. Alors là, le Vokit ramassé sonne. Je décroche. Allô? Oui, tout à fait, c'est bien mon Vokit que vous avez trouvé. Là, je vous appelle avec mon ancien appareil. C'est pour ça que vous n'avez pas le son. Vous n'avez que le son, plutôt. Merci beaucoup d'avoir récupéré mon Vokit. Je voudrais passer le prendre tout de suite, mais je suis au travail et ça ne va pas être possible. Est-ce que vous pourriez le garder pour moi jusqu'à que je trouve le temps de venir le récupérer? C'est d'accord, merci beaucoup, je m'appelle Brenda, exactement. Et vous? Arnaud? C'est bien noté. Je vous contacterai dès que je pourrai trouver un moment de libre. Je ne voudrais pas que vous vous tracassiez de ne pas avoir de mes nouvelles d'ici à ce que je puisse récupérer vos kits, je vous contacterai. Ok. Bon voilà, un personnage qui va nous contacter assez souvent. Génial. Bon, en tout cas, j'ai reçu le matériel, le dispositif utile pour enregistrer ma DS. Alors, je vous ferai la vidéo peut-être ce week-end. Je sais pas encore, mais pour vous montrer exactement comment ça marche tout ça, parce qu'il y en a qui se posent plein de questions, le prix. Enfin voilà, tout plein de choses et je vous expliquerai tout dans les détails. Mais pour l'instant, là, on n'est pas dans ça. On va continuer l'aventure. Alors, mon équipe, alors bon, pour l'instant, pour l'écran du bas, il s'affiche pas. Mais je vais vous le montrer comme ceci. Donc, on a un host en fer. Je sais plus si je l'avais fait évoluer déjà auparavant. Voilà, vous avez les stats en haut. Mon mateloutre, donc host en fer niveau 27. Mateloutre niveau 27. Genesect niveau 27. Caninos niveau 28. Onyx niveau 28 et Carabung niveau 26. Alors vous m'avez conseillé de laisser Onyx. Bon, pour le moment je vais m'en servir pour des attaques du type Éclatroc et tout. Et après en effet je le changerai de l'équipe. Donc on va continuer l'aventure. La dernière fois on avait obtenu le badge 4 de la part d'Inesia. Alors il me semble que en l'absence de pouvoir filmer, j'ai continué il me semble un petit peu à faire des combats, des trucs du genre. Et je sais plus, bon c'est pas grave hein, les objets comme ça. Et je sais plus où est-ce qu'il faut aller en fait. Mes souvenirs, il me semble que c'est là. Enfin on continue quoi, on va pas aller à droite parce que c'est bloqué j'imagine. Donc là il pleut, c'est le printemps. Super. Et on est Porioneuf, c'est ça? Alors est-ce qu'il y a un... c'est pas là qu'il y a le PWT? Truc du genre là. Dun, 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 dun. Non mais je suis déjà venu ici. J'avais récupéré Zoroa. Je crois que je pouvais pas continuer par là. Donc il fallait que j'aille là. Ah oui c'est vrai. Allez, premier combat. Vivaldi niveau 25. Allez, mon monstre fer, il va gérer, vous allez voir. Énorme. Attaque cruel. Non, il est énorme ce monstre en fer. Je suis très content de l'avoir eu si peu tôt. Si peu tôt. Très tôt. Non, je veux dire assez tôt. D'ailleurs, niveau 28. Ah oui, il apprend tranchère. Ça, c'est une capacité spéciale, justement. Une attaque vol spéciale, c'est assez rare. Il y a aussi l'attaque de Lugia Aéroblast qui est spéciale. Donc je pense que je vais virer... Je sais plus s'il est meilleur en attaque ou quoi. Bon, je vais virer Météor, ça me gonfle ça.
On verra, ça se trouve j'aurais dû enlever cruel, mais bon, comme c'est un taux de critique élevé, prends cher. Bon, est-ce qu'il y a un combat là? Bon, tant pis pour toi. Bon, on va descendre du vélo, parce que c'est vraiment le truc pour avoir maximum de combats, ça. Mais je crois que je les ai fait ceux-là. J'ai pas pu me retenir d'avancer un petit peu l'aventure. Ah non. Je retire. Ou sinon j'ai pas sauvegardé, je sais plus. Ouais, j'ai pas dû sauvegarder. Alors, élève Nors. Donc maintenant que j'ai cet appareil pour filmer, je vais pouvoir enfin vous faire une nouvelle aventure. Alors, pas pour le moment parce que là, je suis encore dans des périodes un peu pris. Prise. Période prise. Mais, c'est très cher. Oh, il exagère. Mais il y aura une nouvelle aventure. Il faudrait que je finisse au moins. Si vous pouvez finir, je sais pas moi. Liquide cristal par exemple, ça serait bien. On verra. Alors, sûrement que vous m'avez laissé des commentaires. On va faire cruel. Sur l'épisode précédent. Oui. Mais je les ai pas lus récemment. Parce que ça fait longtemps, comme je vous dis. Qu'est-ce qu'il fait? La vitesse baisse. Bon, ah oui, c'est malédiction. Non, mais ça, c'est très bien. Hein. Cruel, c'est bon. Et regardez, il se protège. Mais pour dire que. Voilà, si vous m'avez laissé des conseils, il faudra me les relaisser dans cette vidéo. Histoire que je les revoie. Parce que sinon, ça le fera pas. Et je tiens aussi à préciser que cet épisode ne sera pas super long. Oh non, c'est un tropignon ou je sais pas quoi là. Comment il s'appelle lui? Un trompignon, pardon. Trompignon. Bon, en tout cas, j'ai passé le live. On a fait le live. Les 10 000 abonnés samedi 25 mai, ça a été génial en fait. C'était vraiment... Oh, niveau 29. Ah, j'aurais pu le capturer, attendez. Oh, bah je vais le capturer. C'était franchement super, vous étiez vachement sympa. Peu de disputes, de trucs comme ça dans le live, les quiz. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire un quiz où on me posait des questions à moi, j'y ai pas pensé en fait. C'est pour ça qu'à un moment je vous avais dit, si vous avez des idées, n'hésitez pas, et il y a eu des idées que j'ai repris, notamment Pokémon Showdown. À la base je pensais pas le faire puisque je connaissais pas le jeu avant, mais après finalement je l'ai pris et elle est capturée là. Ouais, je l'ai pris, donc ça a été rajouté au live après du Osu. Donc bon, c'est voilà, si vous m'avez dit ah ouais dans le quiz, parce que je vous en avais parlé du quiz hein, bien un mois avant hein, vous avez dit ah ce serait bien qu'on te pose des questions et tout, bah ça, j'aurais fait volontiers. Pas de raison de dire non. Élixir. Ben voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah désolé, petit appel téléphonique, je peux pas couper au montage, je veux absolument mettre cet épisode tel qu'il est, donc désolé s'il n'y a pas eu de dialogue. Oula, c'est quoi cette musique? Vérifier si nos idées sont applicables dans la vie, c'est aussi ça la science. D'accord. Voilà, donc je suis vraiment navré pour l'appel, je n'ai pas pu couper. Mais vous inquiétez pas, hein, après ça sera des épisodes de... Bon, ça c'est de la qualité assez bonne, hein. Mais bon, je couperai la prochaine fois que j'ai un appel. C'est assez important. Bon bref, alors 5 combats. Bon, je sais que je suis un peu à la ramasse au niveau des niveaux. Parce que je vois niveau 28, d'habitude on est au même niveau. Enfin, on est, je veux dire, je suis largement au-dessus. Là, quand je vois que je suis au même niveau, c'est pas bon signe. Mais il est quoi ce Pokémon? Il est plante? Pour être super efficace, je pensais qu'il était normal. Que sa forme changeait son type également. Oh, Pierre Lune, ça c'est vraiment intéressant. Ça va nous permettre d'avoir... Ouais, bon, on s'en fout. On va aller visiter ce labo, mais bon, c'est pas grave.
Escargomme. Encore toi. Attends, déjà, des fois j'ai la voix qui part, c'est n'importe quoi. Comment ça peut voir. Bon, elle est cruelle. Alors bien sûr, comme c'est une 3DS qui est venue de... C'est compliqué, ça a été importé de chez, souvent d'Asie. Hein. Importé d'Asie, mais européenne, heureusement. Donc j'ai un chargeur étranger. J'ai un chargeur qui peut pas me servir. Enfin, pas sur les prises françaises, en tout cas, peut-être canadiennes. Vous savez, c'est les prises anglaises, là, où il y a deux... Je sais pas comment expliquer. Bon, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Mais bon, en tout cas, bon, c'est une console bleue, hein, Aqua Blue, le premier modèle sorti. Et sur la boîte, il y a marqué Free Download Pokédex 3D. Alors je suis content, je me dis, je vais peut-être pas payer 15€, mais j'ai pas du tout trouvé où était le code à l'intérieur. Il va falloir que j'inspecte un peu plus près. Parce que ça aurait pu être intéressant de d'avoir le Pokédex 3D gratuit, pas payer 15€. Oui, donc je vous dis, on va aller là. Puis pour ceux qui se plaignaient que j'appuyais sur les boutons, là, bouton A, bouton B, blablabla. Maintenant il n'y aura plus de bruit. Alors il existe, enfin j'espère. Je vais éloigner le micro. Il existe des Pokémon qui changent de forme en fonction des saisons. Ouais, bon, c'est comme dans... Le bruitin météo, ouais, il faudrait peut-être prendre Morpheo, j'imagine. C'est un peu comme dans Noir et Blanc, hein. Ah, attendez, il n'y a qu'ici qu'on peut voir un Vivaldin à chaque saison. Nous sommes un peu les experts. D'ailleurs, que tu as-tu dans... Oh, pff, non, c'est bon. Pas grave. Bah, on va continuer. Là, en bas, il y a quelque chose, mais on n'y va pas. J'ai peut-être raté le PWT. Ah non, encore lui. Le Pokémon World Tournament, dont tout le monde parle. Bon. Mais de toute façon, j'ai hâte Pokémon X et Y. Là, maintenant que j'ai l'appareil, je vous dis, ça va... Ça va barder. Ah ouais, non, non. Et je choisis X, hein, pour tous ceux qui, 40 fois, qui m'ont posé la question. Je choisis bel et bien X. Et un Vivaldin, que j'ai déjà. Allez, fuite. Ouf, bon, je prends pas l'autre, hein. Je suis sûr que c'est le trompignon. Oh, regardez la fille. Oh, punaise. Je joue dans les flaques avec mon Pokémon, tu vas te joindre à nous? Non. C'est quoi ça? La fille, elle a 20 ans, elle s'amuse. Non mais arrête. Ouais, non, peut-être pas 20 ans. Elle a quoi? Elle a au moins 15 ans, là. 15 ans, on s'amuse plus dans les flaques d'eau. C'est fini, là. Ohé. Allô. Oh, regardez, il y a l'eau en dessous. C'est bien fait, ça. J'ai jamais fait gaffe. Quand on combat dans une flaque d'eau, enfin, dans, sûr, eh bien, on a une petite animation d'eau en dessous. C'est sympa. Bon, elle est cruelle. Morpheo. Il y a aussi une amie, celle qui m'a fait le dessin justement, qui m'a fait utiliser le... C'était quoi déjà? Le chronolien, je crois. Et donc en fait, j'ai récupéré des données de ma version noire, et ce qui fait que dans le jeu, il va y avoir des cinématiques, paraît-il, ou des événements un peu secondaires en liaison avec le jeu noir que je vous ai fait en let's play avant. Donc c'est sympa ça. Que des fois il y aura des petits clins d'œil, ça va être vachement sympa. Donc un grand merci à toi. Bon, toi je le prends pas. Allez, allez, pas de Pokémon. Ouais, c'est bon. Allez, tout droit. Oui, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, la grotte électrolyte. C'est là qu'il va y avoir Bardan, j'imagine. Ah bah non. Où est la toile? Y a pas de toile? Y a pas une toile normalement? Écoutez, on va utiliser des repousses. C'est pas mon genre de pas utiliser de repousse. Super repousse. Hop. Hop là. Ça c'est fait. Oh, Bianca. Allez, qu'est-ce que tu veux? Eh oh. Tu sais, si tu pousses les si tu pousses les pierres qui flottent, elles bougent. Je suis sûr que cet endroit est plein de Pokémon qui aiment l'électricité. C'est parce que cette grotte est pleine de champs magnétiques qui s'opposent, ça fait flotter certaines pierres. D'accord. Ça veut pas dire qu'on peut déplacer tous les rochers, hein. Mince, quel idiot je suis parfois. J'ai oublié que j'avais une mission à accomplir. À plus. Ok.
Bon, pas intéressant celle-là. Pas intéressante plutôt. On va utiliser, on va récupérer cet objet quand même. Hein. Et Total Swan. Vous savez, c'est le joystick là. Ça, des fois, ça part en vrille, je comprends pas. Pourtant, j'adore ce truc, hein. C'est vraiment un très bel outil. Oui, non, mais là, il y a un passage. Donc, que par là, on peut pousser. Oh, bah, très bien. Hop, vire. Ah non, pas envie, toi. Putain, elle a sa guitare, la fille. Non, mais n'importe quoi. Ah, putnaise. Pas envie de t'affronter. Ouf, c'était juste. Bon, là, il y a un objet. Comment on fait pour récupérer? Comme ça? Non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, pousse-toi. Ouais. Max repousse, très bien. C'est où qu'il faut aller? Ah oui, d'accord, ok, j'ai pas capté. Hop là. Je peux passer là, en fait. Ah non. Je suis un âne. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a à se marrer? Pas drôle. Ah ouais, non, mais là, c'est pas drôle du tout, en fait. Bon, Pokémon. On va amener Caninos. Mon beau Caninos, niveau 28. Qu'est-ce qu'on m'avait dit sur Caninos? Oui, de le faire évoluer assez rapidement, il me semble. Non, peut-être pas. Mais non, au niveau 49, il apprend... Il apprend colère, je crois. Petit attaque plus, pétard, on est mal. Bon, un rebond petit feu, allez. Je crois que ça peut paralyser, ce truc. Non, ça paralyse pas. Oh là là, bon, c'est bon. Je suis plus rapide, donc là... Ça va être KO direct. Je cherche pas à comprendre. Et voilà. Bon, bah toi c'est fait. Maintenant il m'en reste plus que toi. J'ai pas envie. Hein. Allez, tourne la tête. Tourne la tête. Oh ouais, je suis là. Mince! Je voulais pas aller jusqu'à là. Tu vas faire connaissance avec les membres les plus cools et les plus mignons de mon groupe. Putain, je suis sûr qu'ils sont tous dans la grotte. Oh les bougres, c'est pas possible. Il va jouer de la guitare ailleurs. Ok, il y a plein d'électricité, mais bon. Ah, Shirizu. Ah, ça y est, ça commence. Emolga. Emolga? Ouais, Emolga. Donc, on va pas faire le fou, on va encore changer. On va amener Onyx, tiens. Pokémon qui est pas très utile. Contre un Pokémon électrique, il n'y a pas mieux. Pas hein. Bah ouais. Non, il n'y a pas mieux. Pokémon sol. Hein. Hop là, ça c'est fait. Et on va faire tunnel. Ah non, attendez, je crois qu'il évite ce Pokémon là. Ah, je crois qu'il l'évite. Il est volé électrique celui-là. Putain, je suis bête. Bon bah, piège de rock, ça fait rien. Ça anti-air, tiens. Pas terrible. Ouais, c'est bon ça. Ah, t'es au sol. Allez, tunnel. C'est vrai, il y avait cette petite combine là. J'avais oublié. J'avais oublié la combine de anti-air plus une attaque sol. Bon, le truc c'est que son esquive augmente vachement. J'espère ne pas rater. Eh ben, bébé souffle. Bon, on va faire Draco souffle. Quand c'est en deux tours, ça me gonfle un peu. Ah, allez, arrête de faire gonfler. Voilà, allez, touché. Oh, c'est tout, t'es pas sérieux. Bon, entière, allez. Je peux même pas sur l'émulateur pour accélérer le jeu. Alors, le pire c'est qu'on peut vraiment rien faire. Oh. Allez, touche-le. Oui. Oh, encore un coup. Allez, allez, j'y crois. Non. Et voilà, c'est tout. Elle est bon et pas bon. Ah, j'ai eu vachement de chance. Déjà ? J'ai pas mis le multi-exp lui ?
960 Poké-Dollars, quoi. Radin. Un objet? Non. J'ai pas fait tout ça pour ça. Dites-moi que c'est pas vrai. J'ai failli me faire avoir, les amis. Allez, dégage. Y'a pas une Pokéball, là? Pousse-toi. Ce truc, en fait, c'est bizarre. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, t'es aimanté. C'est pour ça que je reste collé, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi je reste collé à ce truc? Maintenant, je viens de comprendre. Ah, bah, le voilà. Le pont s'est effondré, on est en train de le réparer. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Des Pokémon qui sauvages qui se sont battus? Bah, qu'est-ce que ça? J'ai pas fait ça pour ça. Hein. J'ai pas fait tout ça pour rien. Dégage. Dégage! Putain, je me suis fait carotte. Bon, j'imagine qu'il faut ressortir, donc on va pas s'embêter, on va faire tunnel. J'ai dit que l'épisode serait pas long, mais il sera pas long. Il sera pas long, non, non, non. Là, j'utilise tunnel, je reviens, j'imagine qu'il faut retourner à la ville d'avant, là, pour Yonneuve. Voilà, très bien. Là, je suis toujours en repousse, donc c'est nickel. Toi, je t'ai fait, toi, je te fais. Toi, je t'ai pas fait, par contre. Je crois pas. Hop, on passe par là. Ouais, j'en utilise un autre, moi, je suis un fou. Et on continue. Hop, toi, je t'ai fait déjà. Toi, je sais pas, tu me regardes là, mais. Non, c'est bon. Ah, je peux passer par là. Oh, qu'est-ce qu'elle. C'est qui a perdu son téléphone, j'en étais sûr. Ouais, c'est moi. Ah, vous êtes un garçon, je m'attendais pas. Mais je te l'ai dit la dernière fois. Ce n'est pas très pratique de se parler sans se voir. Attends, je dis Arnaud, faut pas arrêter. On m'appelle Arnaud. Au fait, autant que vous sachiez que je suis une fille. Bah oui, merci. Brenda. Oh, Brenda. Comme dans la pub, là, du loto, je sais pas quoi. Oh, vas-y, ma Brenda. La fille, elle m'appelle pour me dire, ah, vous êtes un garçon. Et après, elle me dit, ah, finalement, il y a un collègue qui vient me voir. D'accord. Elle doit avoir fruit avec SMS et appel illimité, elle, parce que sinon... Donc, on va retourner les soigner. Enfin, même pas retourner, on va les soigner. Voilà. Alors dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous voulez, il y a plusieurs manières d'afficher la DS. Ce que j'aime pas trop, c'est afficher deux écrans. Je le fais lorsque c'est vraiment utile, mais dans ce jeu, à part le résumé des Pokémon, c'est pas utile. Il y a des jeux où il y a vachement de trucs en dessous. Enfin bon, sûrement il y aura des animations à un moment, hein. je suis d'accord. Bon, c'est en bas que je peux y aller maintenant. Non. Attendez, c'est pas la galerie ça? Monsieur? Toutes nos excuses, le Pokémon Tournoi n'est pas encore ouvert. Ah, vous n'avez pas encore le badge? Ah, mais d'accord, je savais pas qu'il fallait avoir ce badge. Ah bah oui, c'est Bardane, c'est là, je suis bête. Bon, bah on n'aura pas fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Hein. Oui, donc, est-ce que vous voulez que j'affiche les deux écrans? Bon, c'est déconseillé, hein. Enfin, moi, j'aime pas trop. Ou sinon, que j'affiche que cet écran. Ou sinon, que je change quand c'est utile. Alors bon, je peux le faire, hein, y a pas de souci. Donc, dès que le deuxième écran est intéressant, c'est-à-dire que quand il faut voir le résumé des Pokémon, eh bien, je l'affiche. Je pense que la dernière solution est préférable. Bon, là, je l'ai pas fait parce que, si je vous ai dit, c'est une vidéo où j'ai reçu hier mon appareil. Oh là, ça sent le combat. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Hop là, voilà. Voilà, donc moi, je vous conseille, enfin, c'est vous qui décidez, hein, mais d'afficher l'écran inférieur uniquement quand c'est utile. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois, il y en aura des plus longs. En fait, j'avais dit 2-3 par jour, oui, mais ça, c'était dans mes rêves. Hein. Je peux pas, en fait, 2-3 par jour, j'ai rarement du temps libre. Donc, ça va être, à mon avis, plutôt un épisode par semaine. Mais maintenant que j'ai mon appareil, je veux dire, je peux le faire vraiment quand je veux, quand je peux, surtout. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Bye tout le monde!